Bon, une fois quitté le Sénégal, mi-85, on revient en famille ici à Mézeray. Ce qui était intéressant dans la coopération belge universitaire, c'est qu'on avait ce qu'on appelait un salaire de réintégration. Et pendant une année, vous étiez payé à la limite à ne rien faire. Sauf que la plupart des collègues avaient un pied à terre, un point d'attache dans le monde universitaire belge. Et donc, ils repartaient toujours dans leurs institutions respectives. Moi, j'étais nulle part. Je pouvais pas, j'allais pas retourner à Promondivita. Je me suis consacré pendant une année gratis pro deo à une ONG que j'avais créée avec un père blanc et d'autres amis, Overseas Mission Secretariat. On était devenu l'ONG francophone la plus grande de la Belgique pour le cofinancement. Ça veut dire qu'on avait l'État belge payait 75% du fonds nécessaire si on arrivait à porter 25%. Bon, ça n'a pas très bien marché. Après, il y a eu des problèmes avec le gouvernement. Ça s'est terminé en queue de poisson. C'est un autre problème. Donc, pendant une année, vers la fin de cette année-là, Madame Mike me dit, « Serait temps quand même que tu repenses à travailler sérieusement. » Toujours dans mon inconscience totale. De nouveau, par le plus grand des hasards, c'est le brave Doutreloup qui me téléphone en disant, écoute, il y a ce programme du FNUAP, Fonds des Nations Unies pour la Population, qui a été éjecté de Bucarest par le couple Ceausescu, qui sont devenus pro-natalistes après avoir été anti-natalistes, et donc ils se rabat sur l'Europe de l'Ouest, la partie francophone. Et s'installe à Louvain-la-Neuve. Et ils cherchent un anthropologue et je leur ai refilé ton nom. Donc je suis allé voir le boss, Hubert Gérard, un grand démographe et un copain de Liège, Michel Loriot, sociologue. On a eu tout de suite les atomes crochus, ils m'ont engagé. Et donc c'est un programme intéressant parce que c'était à la fois dans l'université, mais n'était pas du tout inféodé aux vitesses acquises. Donc, on avait des modules, on faisait 4 heures de ceci, on faisait venir beaucoup de gens. De nouveau, on avait des sous. Donc, on avait beaucoup de gens de Paris et ailleurs qui venaient donner pendant 4 heures, 10 heures, la quintessence de ce qu'ils avaient cogité ou vécu. C'était un très beau programme. Et puis, à la fin, mais néanmoins, avant, j'avais passé quand même une année, plus ou moins, dans les facultés de Namur, attachée au recteur pour des problèmes de développement. Et c'est là où j'ai fait j'ai présidé ce projet en éco-santé, comme je l'appelais à l'époque, au Congo, du côté de Kikwit, où je suis allé pendant quelques mois entraîner des jeunes chercheurs qui se sont installés dans 4 villages et qui m'ont envoyé des notes de terrain. Et on a fait un grand colloque sur les problèmes de la santé publique au Congo, en brousse. Ça, c'est un truc très intéressant. Mais qui montrait déjà les limites, si tu veux, de l'implantation de la biomédecine occidentale en milieu rural africain. On reviendra là-dessus peut-être après, parce que la faculté a fini par publier un bouquin sous sur les médecins qui soignent par les postes de radio. Donc c'est dans ce cadre-là qu'ils ont publié, pour finir, ce texte où je critiquais
tout projet médicaliste comme étant excessivement ethnocentrique et pas assez respectueux de la philosophie et pratique du naître et l'être bien. Je ne parle pas de santé, c'est trop piégeant et c'est tout peuple, tout choix de société doit gérer le naître et l'être bien, mais ça ne se réduit pas ni à la santé physique, ni même à la santé au sens large. C'est un concept promulgué par l'OMS, mais qui est très euro- et occidentalo-centrique. Donc, j'ai aussi travaillé un an aux facultés de Namur, et puis je suis retombé dans ce projet à Louvain-la-Neuve du CIDEB, grâce de nouveau à l'intervention providentielle du brave ami d'Outre-Loup. À la fin de ce projet, de nouveau par la plus grande des hasards, parce qu'après les restrictions budgétaires ont été catastrophiques, j'ai réussi à être nommé dans le département, dans l'Institut des pays en développement, où j'ai donné des cours, encadré des thèses, tout ce qui est le plus classique. On a fait beaucoup de voyages et de missions d'expertise à droite et à gauche en Afrique pour le marché commun, pour l'UNIF, pour les ONG. Et on a fait des colloques, on a fait tout ce qu'un académique fait du côté des grands travaux inutiles, si tu veux. Les plus inutiles, les plus grandioses y sont. Mais finalement aussi, avec tout le respect que je devais à mes chers collègues de l'Institut, je me suis dit, mais vous êtes plus catholique que le pape, vous avez l'air d'imaginer que le développement, c'est la fin du monde, qu'une fois que tout le monde est développé, eh bien, on a réussi. J'ai dit, mais c'est pire que le Vatican. Voilà, il n'était pas très content. Et donc, de nouveau, on s'est quitté à l'amiable. J'ai démissionné, j'ai quitté l'Institut. Et après, je ne sais plus où j'étais. J'étais dans un couloir avec des démographes très sympas. On avait mis les plus farfelus dans un seul couloir pour qu'on foute la paix aux gens sérieux. Et on s'amusait comme des fous. Mais je n'ai jamais été en anthropologie, paradoxalement. Et l'anthropologie, à ce moment, était sur le point de se disloquer, de disparaître. Il ne restait un anthropologue et un autre anthropologue à Louvain, c'est Robert de Liège, qui est un grand spécialiste de l'Inde. Il était parti dans une autre faculté, il ne se sentait pas très à l'aise ni à sa place chez nous en sociologie, donc il est parti. Et donc, d'Outre-Loup était parti à la retraite. Et donc, n'existait en anthropologie, à proprement parler, qu'un secrétaire à mi-temps. C'est tout ce qui restait. À ce moment-là, Pierre-Jo Laurent arrive sur la scène. Il s'accroche, il fait sa thèse, et avec le doyen de l'époque, ou le chef de département, Albert Bastenier, grand spécialiste de l'immigration, on a relancé l'anthropologie à l'insu de notre plein gré, parce que d'autres facultés voulaient récupérer le bébé, la faculté de lettres, l'Institut des communications. Et nous, tout d'un coup, avec un candeur et une naïveté totale, on lance ce que moi j'appelais un collegium anthropologicum, un collège d'anthropologues, où on réunissait tous les intéressés par l'anthropologie pour des discussions à midi et des trucs comme ça. Et ils ont subordonné toujours le complot. Là. Mike, il est en train de ramasser les miettes et de tirer la couverture vers lui pour placer Pierre-Jo et son fieur dans le bas. C'était pas de tout ça. On se rendait même pas compte qu'on risquait que la mort était... On était en mort clinique, si tu veux. Il n'y avait plus d'anthropologie. Mais heureusement, grâce au doyen Hubert Gérard, qui était un homme honnête, il n'y avait rien derrière. La première fois que je l'ai vu, je dis, tu es comme Nathaniel dans l'évangile, sine dolo, il n'y a rien.
on regarde derrière et il y a toujours toi et rien de plus. Alors, les autres doyens lui faisaient confiance. On s'est réunis avec les trois doyens responsables et on a décidé que l'anthropologie restait dans la faculté de sociologie et qu'on allait l'étoffer. Donc, petit à petit, à partir de ce moment-là, l'anthropologie a repris du poil de la bête et on a... Non pas pour se distinguer, pour pisser sur un terrain et pour tenir les autres à l'écart, mais j'ai avec un autre collègue sociologue, on a dit, bon, il faut quand même une certaine anthropologie de papa, c'est fini. Donc on a dit, il faut créer une nouvelle étiquette. Et c'était l'anthropologie prospective, si tu veux. On avait pensé à l'anthropologie dynamique, mais ça faisait trop balandier. Anthropologie appliquée, ça nous donnait des boutons. Et donc, on a dit prospective. Mais moi, déjà, je dis, bon, il faut s'entendre. Il s'agit de s'affranchir, dans un premier temps, de l'anthropologie rétrospective. Ça veut dire les primitives, les peuples laissés pour compte, etc. Ça, c'est fini, puisqu'il n'y en a plus et il n'y en a peut-être jamais eu. Et donc, il faut une anthropologie dans le présent, mais pour le futur. Et donc, et de fait, tous les étudiants, ils n'étudient plus les histoires de sorciers, des histoires des systèmes de parenté, des structures politiques primitives. Ils sont dans les nouveaux mouvements religieux, dans les étudiants agressés sexuellement en Afrique, dans les projets de développement. Avec Pierre-Olivier de Sardan, on avait créé un réseau aussi sur l'APAD, sur le développement, dans ces mêmes années-là. Lui reste toujours convaincu qu'on peut étudier le développement comme on étudie les étuis péniens. Moi, j'ai dit, ça s'engage à plus que ça. Et c'est, le développement, c'est l'Occident, et c'est mieux d'étudier le changement social, si tu veux, dans lequel le développement fait partie comme sous-espèce. Et donc, en gros, c'est comme ça que j'ai carburé jusqu'à mes années de retraite. Il n'y a plus rien de très exaltant ni d'excitant, sauf les missions à droite et à gauche, au Niger, au Tchad, et à droite et en Mauritanie aussi. Et toujours des trucs assez fascinants, mais qui ne sortent pas à ce point de l'ordinaire. Donc, et puis, je dirais, bon, l'anthropologie prospective, je voulais pas trop effaroucher les vierges sages de l'université qui n'auraient jamais accepté une anthropologie impliquée. Encore moins une anthropologie engagée et enragée. Mais c'était ça que je voulais, si vous voulez. C'est ça que j'ai toujours pratiqué par la force des choses. Je me suis toujours senti, non pas en deçà de la théorie de l'anthropologie fondamentale, mais par-delà, parce que la distinction, la dichotomie entre l'anthropologie fondamentale, théorique, si vous voulez, pure et dure, qui travaille uniquement pour la vérité abstraite, pour la beauté des concepts, et l'application, c'est excessivement, de nouveau, ethnocentrique. Ça remonte à l'époque des grands philosophes grecs qui étaient tous des fils à papa et qui faisaient suer dans les mines d'or et d'argent 90% des humains de l'époque pour pouvoir jouir d'une oisivité contemplative. Il ne faut pas se leurrer. La philosophie, d'un point de vue... justice sociale, ça laissait à désirer. C'était à la fois une religion, mais une religion parfois assez exploitatrice des grandes masses laborieuses. Et théorie même, c'est contemplé. C'est de nouveau l'Occident qui voit, qui juge et qui éventuellement agit. C'est un pli qui est pris par l'Occident, cette distinction entre l'université, l'intellectuel, les mains propres, et puis les autres qui, faute de pouvoir réfléchir à fond, doivent s'engager dans le feu de l'action. Tout ça, c'est nous.
Et en Afrique, c'est pas comme ça. Mes Wakonongo m'ont fait comprendre très vite que vouloir savoir ce que la sorcellerie était en et pour elle-même, ça se faisait pas. Où j'étais sorcier à ce moment-là, j'avais pas besoin de demander. Et si je ne l'étais pas, personne n'allait me montrer le programme parce que c'est un truc extrêmement explosif. Donc pour eux, il n'y a pas de savoir qui n'est pas un savoir-faire, il n'y a pas un savoir-faire qui n'est pas un pouvoir, et il n'y a pas un pouvoir qui n'est pas un avoir. Ça veut dire, le sorcier, il gagne bien sa vie s'il est assez malin pour ne pas être zigouillé par un anti-sorcier ou un sorcier rival. Donc, il y a une autre approche du naître et de l'être humain qui est à des années-lumière de notre saucissonnage occidental entre théorie et pratique, et puis entre les sciences humaines et les sciences naturelles, et puis dans les sciences humaines, théologie, philosophie, psychologie, sociologie, tout ça, ce n'est pas inintéressant. Mais ça produit, disons, un projet est toujours le fait, factum, d'un sujet qui est responsable d'un objet. Les objets ne sont jamais là. Les objets viennent en fin de parcours parce que sont produits par le projet d'un sujet. Donc on est au-delà de la dichotomie subjective et objective. Ça, c'est de nouveau, c'est des trucs occidentaux. Un objet est toujours quelque chose qui est objectivé. C'est toi qui le jettes au-devant de toi grâce à ton projet, si vous voulez. Et donc, je voulais une anthropologie qui ne soit pas une autre anthropologie. Il y a l'anthropologie médicale, il y a l'anthropologie du développement, il y a l'anthropologie... tout ça, c'est des sous-espèces de l'anthropologie. Moi, je ne voulais pas ajouter une anthropologie prospective dans ces eaux-là. Je ne voulais même pas une autre anthropologie. Je voulais autre chose que l'anthropologie. C'est pourquoi le bouquin que j'ai fait, qui est Confession de l'anthropologue, devait s'intituler Adieu à l'anthropologie. Mais la dame qui présidait à la collection a dit, il ne faut pas être à ce point kamikaze. Ça ne se vendra jamais. Calme-toi. C'est la même chose. La critique de l'ethnocentrisme devait s'intituler ethnocentrisme critique. Parce que pour moi, tu ne peux pas échapper à l'ethnocentrisme. Tu es toujours quelque part, tu es toujours dans ton cercle, dans ton carré. La seule chose que tu peux faire, c'est d'être conscient de manière critique et créatrice du lieu que tu occupes. Et ne pas les absolutiser. Mais Serge m'a dit, écoute, les Français, ils ne vont jamais comprendre ça. On va l'appeler critique de l'ethnocentrisme. Mais c'est en deçà de l'intention véritable qui était en psychologie, il existe deux termes. Il y a l'égocentrisme, si tu veux, qui est absolument normal. Tu ne peux ne pas être centré sur toi-même, autrement tu disparais dans le décor. Mon allologie n'est pas la mort du soi tout court. Et puis, il y a une contrefaçon de l'égocentrisme, c'est l'égotisme, c'est l'égoïsme, etc. En anthropologie, malheureusement, il y a un case vide. L'ethnocentrisme est conjugué avec le péjoratif. Donc, on imagine qu'il y a moyen d'éviter l'ethnocentrisme, mais tu ne peux pas. Où est-ce que tu ne peux pas sortir de ton ethnie pour aller où ? Vers l'humanité en tant que telle, mais ça n'existe pas. Comme disait Dostoïevski, tu ne peux jamais serrer la main de l'humanité. C'est ton frère, c'est ton camarade, c'est ton meilleur ennemi, etc. etc. Donc, il faut un autre terme, il faut un terme ethnocentrisme, c'est ni positif ni négatif, c'est tout simplement l'inévitable, comme l'égocentrisme. Mais il faut y trouver un terme à la limite péjoratif pour dire l'ethnocentrisme absolutiste ou exclusiviste ou raciste ou etc. etc. Et donc il faut remplir cette case là. Et donc je l'ai écrit quand même pour finir parce que j'étais quand même dans le comité de direction
de la revue, je ne pouvais pas me refuser ça, pour une anthropologie de la libération. Ça veut dire, Dieu est mort, donc théologie de la libération, c'est passé dans les oubliettes de l'histoire. Et donc, mais la culture aborde le vide laissé par l'évacuation de la théologie de la libération, peut être rempli par l'anthropologie, savez, une anthropologie libératrice, une anthropologie non pas qui étudie la liberté ou la libération, mais une anthropologie qui, du dedans, d'emblée et d'office, a ce projet de libérer les gens de l'incubus des idéologies et des institutions qui les aliénient à l'insu de leur plein gré. Il est trop facile, entre guillemets, de libérer les gens de l'apartheid ou... Des juifs en Palestine, etc., etc. Ce qui est plus difficile, c'est de libérer les gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves. Et moi, je crois que l'anthropologie a cette vocation, c'est de secouer le cocotier, de montrer à des gens qu'à l'insu de leur plein gré, ils sont inféodés à des institutions et à des idéologies, la démocratie, les droits de l'homme, la libération des femmes, qui ne sont pas à ce point hors culture. Et donc, il faut se libérer pour autre chose. Il y a un post-féminisme, il y a un post-droit de l'homme, il y a un post-démocratie. Et c'est un peu le rôle de l'anthropologie. En inventoriant, en analysant tout ce que l'homme a inventé en matière d'organisation sociale, de faire, d'ouvrir ces horizons inédits. Et là, on rejoint avec les horizons inédits le problème de la conversion qui sera abordé immédiatement.